Bonsoir, mes chers petits amis. Bonsoir, petits amis. Nicolas et Pimprenelle ont été très sages ces jours-ci. Ah, ça, c'est vrai, patron. Pour les récompenser, nous allons leur raconter la suite d'une jolie histoire qu'ils connaissent bien. Descends vite leur montrer ton beau livre d'images, nounours. J'y fonce. Oh là là, que je suis Nico. J'oubliais mon échelle, patron. Tu ne changeras jamais, mon cher nounours. C'est vrai, je suis incorrigible. Mon échelle. Et hop, pom 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 pom. Bonsoir, les bambins. Bonsoir, gros nounours. Bonsoir, mon cher nounours. Oh, qu'est-ce que t'apportes dans ta grosse patoune? Vous allez voir, vous allez voir. Oh, dis-le nous, nounours gentil. Oh, bah, t'es pas très maligne, dis donc. C'est un livre. Oh, quelle histoire c'est? C'est la suite d'une histoire que vous aimez beaucoup. Chouette alors. Je sais ce que c'est, moi. C'est l'histoire de Fifi et de son petit âne. De Yang Chuchu, Nicolas, oh. Et de Ian. Exactement, les enfants. Là, on s'assoit. Mais ne poussez donc pas comme ça. Là, ça y est. À vous, patron. Ce matin-là, le jardin de Yang Chuchu, le petit chinois, est bien agité. Tous les oiseaux piaillent ensemble. Piou, 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 piou. Il est pourtant très tôt. Le soleil vient à peine de se lever et Ian, le petit âne, se met lui aussi à crier aussi fort qu'il peut. Ian, Ian, Ian. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait dans la rivière, Ian? Il prend son bain car il est propre. Oh. Mais oui. Il prend son bain et il a aperçu ce vilain gros vilain qui est en train de voler tous les nids d'hirondelles du jardin et de la maison. Yang Chuchu, que les cris de Ian ont réveillé, regarde par la fenêtre, voit ce gros vilain. Il prend son bâton et pom pom pom. Oh non! Gros vilain se sauve. En avant, Ian, dit Yang Chuchu. Il saute sur le dos du petit âne, encore tout mouillé, et se lance à la poursuite du vilain qui est parti au marché vendre les jolis nids d'hirondelles. Dis, nounours, qu'est-ce qu'on fait avec les nids d'hirondelles? De la bonne soupe aux nids d'hirondelles. Ces pauvres petites hirondelles. Eh ben moi, j'en mangerai pas de cette soupe. Ian et Yang Chuchu courent si vite qu'ils arrivent presque en même temps que Gros Vilain au marché. Il le retrouve et... Pou, pou, pou. Sur la tête à Gros Vilain. Qui part se cacher tout honteux en pleurant. C'est fini, Yang Chuchu. Je ne recommencerai plus. Je te le promets. Mais tu parles. Le petit chinois et son âne reprennent tous les nids d'hirondelles et les rapportent chez eux. Ils les remettent à leur place et écoute tout content le chant des parents et des bébés hirondelles qui les remercient de leur avoir rendu leur nid. Et voilà, l'histoire est finie. Oh, elle était très jolie cette histoire. Merci, petit marchand de sable. Allons, les petits, au dodo. Bonne nuit, mes petits anges. Là, j'éteins la lumière. À demain. Bonne nuit, nounours. À demain. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit, Pimprenelle. Bonne nuit, petite Pimprenelle. Bonne nuit, petit Nicolas. Bonne nuit, tous les enfants.
Allez sagement vous coucher et faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Me voilà, patron. Alors en route, mon cher nounours. Bonne nuit. À demain. À demain. Bonne nuit.